PEGI 18. Si j'ai bien compris, les actes de Lincoln Clay s'inscrivent dans une vendetta contre Sal Marcano. Mais pourquoi cette vengeance a-t-elle poussé M. Clay à semer la mort et la destruction dans la ville tout entière ? C'est ça la beauté de la chose, sénateur. Sal possédait tout New Bordeaux, du coup Lincoln l'a considéré comme une seule et immense cible. Les puissants comme Sal Marcano se croient intouchables. Je suis incapable d'avoir des remords pour ce que j'ai pu faire aux autres. C'est comme ça. Mais il suffit de tirer au bon endroit pour que leur empire s'effiloche comme un vêtement mal cousu. En sabotant la vente de drogue, en braquant les dealers dans les ruelles sordides de Delray, en détruisant les labos de PCP derrière les façades bourgeoises de Frisco Fields, ou mieux encore, en s'infiltrant dans leurs planques pour tirer les vers du nez aux sous-merdes qui leur servent de lieutenant. Tu veux un médecin ? Alors tu ferais mieux de me dire un truc qui m'intéresse. On continue à tirer sur le fil, en butant un par un les mags du quartier français. En terrorisant les clients d'oncle Lou Marcano. Bref, en arrêtant la traite des femmes dans les bordels de la ville. Il a débarqué et tué tout le monde. Encore un coup, et le casino flottant qui traverse cette saloperie de forge dégueulasse qu'on appelle Bayou commence à prendre l'eau. Je veux que tu transmettes un message à ton cher frère. On tire suffisamment et c'est toute l'opération qui commence à s'écrouler. T'aurais dû garder une balle d'eux. On intimide Enzo Conti. On escamote le matos tombé du camion dans un dépôt ferroviaire de Barclay Mills. On arrête les trafics d'armes, de voitures, d'êtres humains. On ferme les vannes des pipelines qui alimentent le marché noir et l'empire de Marcano. Lincoln Clay, Lincoln Clay. Toute la vermine de cette ville a juste envie de voir le sang couler, mon sang. Et le comble de l'ironie, c'est que quand cet empire s'est effondré, on peut commencer à construire le sien à la place, sur les ruines encore fumantes. Dès qu'ils seront à nous, il faudra quelqu'un pour gérer les affaires. Les puissants comme Sal Marcano ne comprennent jamais que leur pouvoir ne tient qu'à un fil. Et qu'à force de tirer, ce fil devient une corde qu'on leur passe autour du cou.